StartGate, c'est un campus de start-up africain situé en plein cœur de l'écosystème du savoir et de l'innovation du M6P. Nous hébergeons une dizaine de programmes qui visent à accompagner les start-up dans leur lancement et dans leur développement. On intervient sur l'amont de la chaîne et l'aval de la chaîne. On intervient sur de l'éducation et de la sensibilisation à l'entrepreneuriat. On fait de la pré-incubation, de l'incubation, mais on est aussi sur de l'accélération, sur de la mise en relation avec les investisseurs, sur cette partie aval. Il y a quelques années, l'innovation, l'éducation à la technologie, c'était des points faibles au Maroc. Aujourd'hui, on est en train de rattraper en fait ce retard à travers ce genre de projet. Tout l'écosystème est impacté. Le pays, les chercheurs, les étudiants, les entrepreneurs. Nous, en tant que StartGate, ce sont l'intérêt des entrepreneurs qu'on sert en premier. Et finalement, quand on sert les intérêts des entrepreneurs, ils sont contents, ils reviennent. Et donc, ça fait un cercle vertueux, en quelque sorte. Il y a un objectif de positionner, en fait, notre écosystème à l'international, de lui donner beaucoup plus de visibilité. Aujourd'hui, on a plutôt 20% seulement de non-marocains parce qu'on a démarré en plein Covid, qu'on avait beaucoup de mal à faire venir ces gens-là. Mais on a quand même une représentation de 15 pays africains non marocains. En misant sur des piliers comme l'éducation, la technologie ou encore l'innovation, nous sommes en train de bâtir l'Afrique de demain et d'augmenter sa compétitivité à l'international.